Ben salut tout le monde, c'est Whoopidoz et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play. Donc comme vous l'avez vu, je l'ai mis en accéléré. Ouais, fatalité. Ah c'est bon, j'ai enfin fini le niveau. Ouais les mecs, franchement ce niveau il est vraiment chaud. Hein. Je sais pas, les développeurs ils... Je sais pas ce qu'ils se sont dit en fait. Peut-être qu'on corse un peu plus le niveau et... Enfin, bon après je crois que c'est le niveau le plus dur. Ah non, après il y a un moment il va falloir se slalomer... entre les flammes je crois. Alors là la musique juste excellente. Et là on a juste à marcher tranquille. Très sincèrement, ouais, le jeu il est beau hein, mais par contre le seul défaut, ouais, regardez par contre non. En fait il y a certains détails quand même qui sont moyens en fait. Regardez le relief du rocher là, il est plutôt dégueu je trouve. Je sais pas d'ailleurs si la version PS3 elle est plus belle ou moins belle, mais il me semble que c'est pareil quasiment en plus, c'est ça le pire. Moi n'empêche que je tenais à dire quelque chose à propos du jeu en globalité, c'est que j'aurais espéré quand même un peu plus de narration. On va pas se le mentir, il n'y a pas de scénario. Enfin, il y a un scénario, mais disons que c'est seuls les Anglais qui peuvent le comprendre, parce que les quelques bouts de scénario, déjà il y en a très peu, et de deux, c'est des lettres, donc ça n'a pas vraiment envie de lire. De 3 elles sont en anglais, moi perso étant plutôt moyen en anglais, enfin si j'avais à mes côtés le gars de Humpack de Testons ce jeu là de mon ancienne chaîne, là sans aucun problème je crois que on peut pas tomber, c'est impeccable ça. Là je vais regarder moi ça, non par contre là c'est magnifique je trouve. Par contre c'est l'un des rares jeux. J'ai l'impression qu'il n'y a rien derrière ces montagnes. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah! Il n'y a pas quelque chose de l'autre côté aussi. Il n'y avait rien. Ah putain, mais c'est de la connerie en fait. J'en tremble, on n'a même pas de. C'est quand tu veux pour allumer ta lampe torche. I want to die, 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 I want to die. Ok. Oh non, putain, c'est ce passage là, les gens, j'en ai ma claque. Je vais baisser le son quand même du jeu. Les mecs. Ah là le jeu il est beau. Ouais, ça par contre c'est très dangereux ça. Il y a la radio qui a pris. Thank you.
là, c'est bon là. Oula. Hide in your room, vite. What the fuck? Qu'est-ce que... Le jeu a bugué? Je crois qu'il a bugué le jeu. Ouais, les mecs, petite scène rapide, on se retrouve tout de suite. Re les gens, donc il y a quelque chose qui est complètement dingue, je vous le dis tout de suite. Fatalité, on veut que je termine pas la vidéo, je crois. Il s'avère. Donc oui, le jeu avait bien planté, donc je dois refaire ce niveau. Quel plaisir personnel. J'en retremble les mecs. Simple anecdote, le jeu avait planté. J'ai re-rec après, et le cette fois-ci c'est le logiciel de montage qui n'avait plus de place dans le disque dur. Faut vraiment que je pense à le bah voilà, vous m'avez compris je crois. Vous avez pas compris, je suppose. Non, en fait. Putain, ferme-toi. Voilà. En bref, mon disque dur était plein. ...5/8, les gens. Oh putain, le con. Oh le con. Putain de merde. Oh les mecs. D'accord. Voilà, c'est vrai. Voilà, on a tout compris à ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas. Et donc là, normalement, on a déjà fini le niveau. Là, ça va être le dernier, si je dis pas de bêtises. Alors en fait, si, je crois avoir dit une grosse connerie. Pour la simple et bonne raison qu'il faut aller où, là ? Ah ok, j'ai rien dit. Le jeu aime bien nous perdre dans le décor. C'est quoi ça? The house had to go. I can't save me anyone. Je ne peux pas me sauver en permanence. C'est quoi ça? Je ne peux pas la garder en... Ah non, je ne peux pas la garder, je crois, en permanence. Enfin, je suis vraiment nul en anglais, putain. Ouais, donc les gens, faut aller là-haut là. Et ça, je me souviens, il y avait un youtubeur qui l'avait dit. Youtubeur que je n'apprécie plus trop, étant donné que. Bah, je l'apprécie plus trop parce que j'ai su tous les coups de pute qu'il a fait plus tard, c'est quoi ça. Meet me by the street in a. Rencontre-moi, rejoins-moi dans la rue à 1h. I left a list of things to bring with you. Ok. Leave me everything. I explain everything. So I see you. I know how. Don't tell Lauren about me. Ne dis rien à Lauren. I'm so sorry everything. This is not fault. I did this. The time to read. Ok. Le temps de lire cette
Already, le temps, ok, de lire cette lettre, il sera trop tard pour moi. Ok, donc en gros, il y a un mec qui a tenté de brûler le cylindre de le calciner, et ça a pas marché. Normalement, c'est ça. Il y a un mec qui a tenté. Voilà, ouais, c'est ça. Il fait quoi là? Putain, les mecs. Il y a le Slenderman qui est quelque part. Après, où c'est une toute autre histoire. J'aime bien parce que je suis en train de slalomer entre les flammes. What the fuck? Bah oui, il faudrait essayer, oui. J'ai rien compris. Comment je suis mort? En gros, là, faut que monter. Normalement, c'est ça. Hein. C'était lui, là? Oh putain les gens! Allez, Janine. What the fuck? Les mecs, c'est bon. On y est. La porte s'est refermée. J'ai presque plus de batterie, les mecs. Enfin, presque plus de batterie. Pas la facecam ni l'enregistrement. J'ai tout simplement plus de batterie dans. What? Il faut aller où là? Oh putain les mecs, j'ai trouvé la clé. Ah! Plus de batterie dans la lampe, j'ai. What the fuck? I felt you. Ah, une caméra. Putain les mecs, j'ai pleuré, y'a un mec qui. Il est quoi là? Il est mort brûlé, qu'est-ce qu'il est? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? What the fuck?
Les mecs, c'est fini. Cette aventure est à présent terminée. J'oubliais qu'on crevait comme une merde à la fin. En tout cas, j'espère quand même que ce petit let's play de 4 épisodes vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui m'avaient découvert grâce à Slender the Arrival. Je fais du RP dans Minecraft, donc des vidéos scénarisées, des tests de jeux rétro ou nouveaux, ça dépend. Et je fais aussi des débats dernièrement. Et des fois je fais des anecdotes ou autre, mais ça fait un bon moment que j'ai plus fait ce genre de truc. Enfin bref, voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.